J'ai fait un bac pro métier du cuir option sellerie. Bah, au départ, mon bac pro m'a apporté à connaître les machines utilisées, puisque en entreprise, c'est souvent les mêmes machines, à part pour la voilerie, mais ça rejoint un peu. Les matériaux qu'on utilise, en entreprise, c'est pareil aussi. Hein, c'est... Mais cette formation complémentaire consiste à approfondir nos connaissances par rapport aux attentes des entreprises. C'est être polyvalent entre la voilerie et la sellerie nautique. C'est pour ça qu'on voit en formation des choses globales sur les bateaux et en voilerie aussi. Cette formation de voilerie-sellerie dure 3 mois, sans compter, je crois, les 4 semaines de stage. Je vais travailler dans des entreprises pour acquérir pas mal de connaissances. Je voudrais monter une entreprise de sellerie nautique et pourquoi pas de réparation de voile. J'ai obtenu mon bac en 2014 avec mention assez bien. Et puis pendant 6 ans, j'ai fait plein de choses différentes. Et j'allais voir régulièrement mes anciens profs donc, dans ce lycée pour leur donner des nouvelles. Et puis ils m'ont dit qu'il y avait une formation en novembre. Donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, ça me fait d'expérience. Dans cette formation, on apprend toutes les spécificités de la voile et les différentes matières qu'il y a sur un bateau, donc des taux, les voiles, les bimini, tout ce qui est en tissu sur un bateau en fait, ou les sièges à l'intérieur, les carrés à l'intérieur d'un bateau. Moi je suis venue dans cette formation pour être embauchée après. Maintenant je sais ce que je veux faire et ça sera la sellerie nautique et la voilerie.